No hát, ma mi lesz a reggeli? Egy kis granátalma, egy kis pitahaja, amit úgy is hívnak, hogy sárkánygyümölcs, egy kis passiógyümölcs, és egy narancs. Que vais-je manger aujourd'hui au petit déjeuner? Une petite grenade, pomme grenade. Un petit fruit du dragon qu'on appelle aussi pitaya. Un petit fruit de la passion. Et une petite orange. Bonjour! Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas entendu vous mâchouiller quelque chose dans les oreilles. Eh bien, aujourd'hui, c'est le moment, c'est l'instant. Mon petit déjeuner. Oui, parce que j'ai pas trop le temps de vous faire des vidéos en ce moment. J'ai supprimé mes groupes Facebook, voilà. Oui, je les ai supprimés. Parce que, pour plein de raisons. Parce que Facebook n'est plus ce qu'il était. Et que je vais un petit peu trop souvent dans la prison Facebook, là où je ne peux rien publier, là où tout ce que je publie n'est pas vu, donc je me suis dit, ça sert à rien. Voilà, donc ceci expliquant cela, mio regelt. Már nagyon rég nem csámcsogtam a fületekbe, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ma az a nap lesz, amikor így csámcsogni fogok a fületekbe. Egy kis, vagyis egy pár ilyen dolgokkal. Ezt tudjátok, hogy hívják franciául? Úgy, mint a színe. Orange. Orange. Narancs. Ez le fruit de la passion. Le fruit, az a gyümölcs, nyilván, de la passion. Ez mi lenne franciául? Magyarul pitahaja. De elvileg pitajának is lehet mondani. Vagy sárkánygyümölcs. Hát franciául pitaja, pitaja, vagy a sárkánygyümölcs az lenne, hogy le fruit du dragon. Dragon az a sárkány. Le fruit du dragon. Nem tudom, hogy miért hívják úgy, mert nem tudom, nem úgy néz ki, mint egy sárkány, de mindegy. És ez a granátalma, la grenade, vagy la pomme grenade. És ma ezeket fogom csámcsogni a fületekbe, miközben beszélgetünk. Vagyis beszélgetünk. Én beszélek, ti hallgattok. Szóval nem nagyon beszélgetünk, de jó. Vous connaissez le nom de tous ces fruits en hongrois? Ça c'est narancs. Narancs. Ça, passio du mulch. Passio du mulch. Bon, un peu comme en français, quoi. Ça, c'est le pitahaya. Mais ça peut aussi se dire pitaya, comme en français. Et sinon, comme ça s'appelle aussi le fruit du dragon, en hongrois, ça se dit sárkánygyümölcs. Sárkány, c'est le dragon. Il y avait un dessin animé quand j'étais petite qui s'appelait Chuchu a sárkány. Chuchu a sárkány. Chuchu le dragon. Voilà, si ça vous parle, ça ressemblait à ça. C'était bien. Du temps où on le regardait. Bref, nous avons ici une petite grenade qui se dit granatalma. Granatalma, donc la pomme grenade. Alma étant la pomme, n'est-ce pas? Na, szóval, bezártam, ahogy biztos nem láttátok, minden Facebook csoportomat. Nem azért, mert már nem akartam csinálni, hanem azért, mert egyfolytában Facebook börtönbe voltam. És akármit kiraktam, mindig vagy nem láttátok, vagy mit tudom én, odaírta nekem, hogy nem posztolhatok, vagy mit tudom én, és akkor úgy gondoltam, hogy nem, ezt nem csinálom tovább. Szóval ezért nincs több Facebook csoportom. Nézzétek!
Regardez, il saigne. Ah, Verzik. Oh, c'est beau. Bien, c'est. Non, ça va. Ezra, Pitaya, Vodish, Pitaya. Le Pitaya. Je trouve que c'est surcoté. Ça va, le Salintam, tout le Zage, pas physique. Alors, Dolgot. Vagyis hát nem is tudom, lehet, hogy itt Európában csak azokat hozzák át, amik nem elég érettek, és így nem tudjuk, hogy tulajdonképpen milyen íze van. De hogy őszinte legyek, nincs semmi íze. Nem szoktam venni. Ez egy ilyen kivételes dolog volt. Donc, je trouve que c'est surcoté parce que ça n'a aucun goût. Faut bien dire ce qui est. Je ne vais pas vous mentir, ça n'a aucun goût. D'habitude, j'en achète pas. C'était un truc exceptionnel. J'en avais déjà acheté un. Je savais que ça avait aucun goût. Mais enfin bref, dans le doute, je me suis dit, je vais réessayer. Mais non, ça n'a vraiment aucun goût. Et à vrai dire, je ne sais pas si au Mexique, ça a un goût meilleur parce que là-bas, j'en ai jamais goûté. Mais en tout cas, je pense qu'ils nous les amènent ici pas mûrs ou. Je sais pas, et puis ça doit pas vouloir mûrir très bien, ou j'en sais rien. Je sais pas si ça doit avoir ce goût-là en réalité, ou si c'est juste... Je sais pas. J'en ai jamais goûté des qui étaient meilleurs que ça. Enfin bref. Non pas. Ça va, non. Non, voilà, miam. Fantastique, je l'aime. Et vous, vous mangez quoi au petit-déj? Moi, parfois, d'ailleurs, je vais vous le montrer, tiens. Je mange aussi de l'ail noir. Vous connaissez l'ail noir? C'est très bon. Et je t'ai mis de ton crâne. Et voilà mes corps. Et c'est fokhaimat. Et je mérite encore fakete fokhaimat. Voyons, film. Mais je m'en tombe dans la mine. Na szóval a fekete fokhagyma így néz ki. Donc ça, c'est de l'ail noir, et ça ressemble à ça. Et regardez à l'intérieur. Je les ai tapé meg belül. Là, on voit déjà que c'est noir. Itt már látszik, hogy fekete belül. Regardez, nézzétek. Ilyen belül. C'est comme ça à l'intérieur. Et ça, c'est la fête à fokhaima. Et ça, c'est l'ail noir. Je vais peut-être vous filmer dans le sens, parce que là, vous ne voyez peut-être pas grand-chose. Ma film est un mamashik faléro, le mari n'a pas ni chouk minden. Donc, ça ressemble à ça, sur l'igneski. C'est très bon. Je n'ai rien fait, non. Et ça, c'est kanyere is lehet kanni, vagy akár így is lehet enni. Ça, on peut le mettre sur des tartines, ou on peut même le manger comme ça. C'est un peu sucré comme ça, c'est très bon. Kicsit ilyen édes, nagyon pirom. Szóval franciául a fokhagyma. Aïe, 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 aïe. Donc, en hongrois, l'ail, c'est fokhagyma. Et noir, c'est fekete. Ce voilà fekete, c'est noir. Et j'ai ça, fekete fokhagyma. Et ça, c'est l'ail noir. Très bon en salade ou plein de trucs. Très très bon. Nagyon finom salátákba, meg ilyenek. Nagyon finom. Javaslom, hogy próbáljátok ki. Je vous conseille d'essayer. Bon, et sinon, que s'est-il passé depuis que je ne vous ai plus vu? Ça va, mi történt, ami autant nem találkoztunk. Hát, ouh! Ez így, nagyon átjött az egész. C'est bien rempli, là, parce que ça n'est pas resté dans le morceau.
Oh non, je vais manger comme un porc. Oh non. Il faut que je regarde mes tellement là. C'est un peu acide. Hein. C'est kitchit charbonneau. Acide se dit chavagnou en hongrois. C'est val. Chavagnou, c'est tout le monde dans les français où on le dit acide. Bon, allez, je vais vous raconter mon 31 décembre. Parce qu'il n'était sûrement pas comme le vôtre. Voilà, le bâché, la menace, comme. December On est parti au point le plus haut du Danemark, comme vous voyez ici sur la carte. Pontiaro, on voulait voir des phoques. Phoques à côté. Bon, bref, donc c'était près de Skagen. C'est bon, le Skagen, donc. Sur la plage de Brennen. Brenneni, Tangerporten. Là où, en fait, les deux mers se rencontrent. Autant le quai Tangeride, ça. Utkosik. Et en fait, on a vu. C'est pas vraiment la saison, hein, qu'on soit bien d'accord. On a vu un seul phoque. Ce vol. Namnagyon. Izé volt a dolog, szóval nem szoktak ilyenkor kint lenni a tengerpartokon, mert hát nem süt a nap, meg semmi nincs meleg, úgyhogy egyetlen egy fokát látunk. A vízben. Donc on a vu un seul fok, mais dans l'eau. Autant vous dire que, bon ben, voilà quoi. Ah, on en a vu aussi une carcasse de fok sur la plage. Il ne restait plus grand chose, c'était dégueulasse. Láttunk egy ilyen, hát nem mondanám, hogy döglött fókát, mert hát igen, döglött fóka volt, de már nem volt se feje, semmit tudom én, már csak ilyen darabok voltak, úgyhogy gusztustalan volt. Ja igen, ez a gusztustalan szó franciául, ez a dégueulasse. C'est dégueulasse. Pour dire dégueulasse, en hongrois, on dit gusztustalan. Gustustalan. Gustustalan. Enfin bref, vous l'aurez compris, on a fait un petit tour au fin fond, tout en haut du Danemark, là, et il faisait froid. Ce vol. Ahogy mondtam, voltunk ott legfentebb Dániában, és hát hideg volt. Il faisait froid. Hideg volt. Très froid. Nagyon hideg. Il a plu quand même pas mal. Elle est sokat esett. Et ouais, voilà quoi. Ja, körülbelül ennyi volt. Ça, c'était mon 31 décembre. Szóval ez volt a 31-ém. Pas de soirée festive. Nem volt semmi féle ilyen buli, pas de feu d'artifice, nem volt ilyen tűzijáték. Plutôt si, il y avait des feux d'artifice, mais c'est les gens qui le faisaient comme ça, à gauche et à droite au Danemark, et voilà quoi, on a pu en voir un petit peu comme ça sur le bord des routes, mais voilà. Szóval voltak tűzijátékok, de ott dán emberek csinálták így saját maguknak, és akkor így útközben láttunk egy-kettőt így, itt ott, ott, de különben csak ennyi volt ilyen pici dolgok. Enfin bref, na, ennyi volt. Vous, vous avez fait quoi le 31 décembre? Je sais qu'on est déjà au mois de février, mais enfin bon, peut toujours en parler. Hein? Ti mit csináltatok december 31-én? Bah, tudom, hogy már februárban vagyunk, de hát attól függetlenül még beszélhetünk róla. Bon, ben sur ce, je vais continuer à mâchouiller, pas dans vos oreilles, parce que sinon, voilà quoi.
Je vais tenter de faire plus de vidéos, tenter, parce qu'en ce moment, je ne suis pas très... Comment dire? Je ne sais pas si c'est un manque de motivation ou si c'est juste un manque d'inspiration, parce que ça aussi. Je sais pas. Bref, pas vraiment la tête à ça. Mais bon, je vous promets rien, on verra. Na zoval, befejeztem a mai csámcsogást a fületekbe, majd próbálok még videókat csinálni. Azt mondom, hogy próbálok, mert hát mostanában így. Nem tudom, hogy a motiváció hiány, vagy csak nem vagyok így. Ezt lehet mondani, hogy inspirálva? Nem lehet, hogy nem. Nem jönnek az ötletek, mondjuk úgy. Nem tudom, hogy hogy kéne mondani máshogy. Na mindegy, szóval. És tök mindegy, ha ide írtok egy pár ötletet, meg ilyenek így. Ez, hogyha az én fejemben nem jön össze, hogy adjam elő, meg ilyenek, az így nem fog segíteni. Nem ígérek meg semmit, mert hát akárhányszor így ízélem, hogy na jó, akkor most minden nap fogok csinálni, vagy mit tudom én, nem jön össze. Úgyhogy majd lesz valami. Addig is legyetek jók, és nem sokára remélhetőleg találkozunk. Sziasztok! Bah écoutez, jusqu'à la prochaine, je vous souhaite plein de bonnes choses et ben j'espère à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye!